Tu m'entends bien? Tout le monde oublie que j'avais le micro allumé. Ok, je vais essayer de monter le son du micro. Comment c'est là? C'est mieux? Ouais, super. C'est pas encore tout à fait au point, mais... Si tout va bien et si mon organisation se passe bien, je ferai peut-être un truc pour le soir d'Halloween. Peut-être avec ce jeu-là, faut voir. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver de bons jeux pour Halloween, pour le stream d'Halloween, je sais pas encore quoi jouer. Ce sera peut-être ça ou... Bon, de toute façon, Twitch, il garde les vidéos 15 jours avant de les supprimer. On va toujours voir en replay après. Ah si, justement, c'est exactement ce que je veux faire, mais le truc, c'est que j'ai pas d'idée de jeu d'horreur que je pourrais jouer. Je
sais pas si c'est parce qu'il y en a trop ou pas assez. Après, le jeu que je joue, à la base, c'est une creepypasta, donc... Enfin, tu vas voir dans quelques minutes. Enfin, déjà, le bug, ça a dû te donner un... de tout à l'heure, ça a dû te donner un indice. C'est que le début. D'arpentologie, oui, je connais pas ça, je vois. C'est de la vie que je veux. Je veux pas des munitions, je veux de la vie. Oh putain, j'ai crevé. Oh super. Il était temps. Mine de rien, il est plus difficile que l'original, celui-là. Je connais aucun de ces jeux-là, honnêtement. D'ailleurs, j'ai pas fait de let's play sur le Yumeniki en 3D, tiens. On pourrait le faire aussi. C'est pour m'avoir horreur, mais c'est pas mal.
Resident Evil, ça dépend lequel, parce que les premiers Resident Evil, la caméra, comment elle bouge, je m'y fais jamais. J'ai le même problème avec Little Big Adventure d'ailleurs, hein, même système de caméra. Je sais pas comment ma femme a fait pour finir le jeu, ouais, j'y arrive pas. J'arrive même pas à passer le tutoriel. Demain après-midi, ça va être short pour télécharger un truc. Putain, ça fait penser, faut que je télécharge ce qui bosse aussi. Je le streamerai bien, mais je pense pas que Twitch acceptera que je stream celui-là. Il est un peu trop hardos. Une censure dessus, donc Twitch il aura pas que je stream celui-là. Le jeu dont je parlais, c'est ce Cubos. Et il est sorti au début de ce mois-ci. C'est un jeu qui n'a vraiment absolument aucune censure. Donc du coup, à mon avis, il passera pas sur Twitch. Si je veux vraiment être tranquille, je crois qu'il faudrait que je le foute sur RedTube ou des trucs comme ça. Justement, c'est ça le truc, dans ce Cubus, il y a les deux. L'écran de veille qui s'active quand même, quoi. Ça, il était pas dans l'original, ça, ce monstre-là. Enfin, je crois pas. On va dire. Si c'est un petit compte et que je fais pas grand chose dessus. Parce que là il y a qu'à voir, là je regarde les stats de mon stream en même temps, je perds absolument aucune frame contrairement à auparavant. Ce qui est assez prometteur et c'est, à mon avis, je vais pouvoir peut-être faire d'autres live Twitch à l'avenir. Donc ça sera embêtant si ça déconne. Ça, c'est pas normal déjà. We'll be right back.
de l'abonnement au passage, hein, on sait jamais. Si jamais je fais autre chose. Il y a Lily qui m'a suivi aussi, qui est un peu plus tôt dans la journée. Son compte Twitch, c'est Ange Écarlate sans espace. Un truc à ces trucs volants, ça te fait perdre des points de vie. C'est affreux. Je passe au travers, je peux pas. Ah, mais c'est bon, putain, il va me crever avec ça. J'ai débloqué des trucs. Xila. Il a de l'humour, le développeur. Et Mothplane. Faudra que je teste cela, je les avais pas la dernière fois que j'ai vu. C'est là que ça va commencer à déconner. Ce monstre-là, il était pas du tout dans le jeu original, mais il existe dans la franchise Godzilla. Ça arrive. Il aura débloqué. Et c'est que le début. Les choses vont vraiment devenir intéressantes à partir du niveau suivant. Parce que là, on arrive carrément dans des niveaux originaux. Qui n'étaient pas dans le jeu et tout. Sur une vraie NES, ça laguerait à mort. D'ailleurs, le jeu original, il lag à mort très facilement. En fait. Peut-être pour ça qu'il est plus facile, d'ailleurs. Thank you.
Ouais, il y a peut-être Eversion aussi que je pourrais jouer, tiens. Je sais pas si t'as entendu parler de celui-là. C'est un petit jeu de plateforme, il a l'air tout mignonné comme ça, mais plus t'avances dans le jeu et plus il devient creepy en fait. J'ai fini l'original à 100% et il y a une version HD qui est sortie sur le Steam. Après j'ai pas trop les sous pour acheter des jeux sur Steam en ce moment, mais il y a toujours des moyens. Oh my god, un fan de la première heure, ça c'est excellent ça. Pour une fois que c'est pas quelqu'un qui dit j'adore tes YouTube pouf. Ça change. Ah putain d'écran de veille. Vous voyez pas mais comme je suis sur Linux et que j'ai mis un écran de veille un peu spécial, il s'active tout seul quel que soit le truc que je fais. Donc. Le moyen de désactiver sur commande, ça serait évident parce que tout le monde dit que ouais les écrans de veille ça sert plus à rien. Moi je suis pas si sûr hein. Sur les écrans LCD, les images rémanentes ça peut faire bobo à l'écran. J'en étais là. En tout cas, bienvenue à toi Solid Baku au passage. Non, reste Steve, pour une fois qu'on est tous les deux et qu'il y a quelqu'un qui nous connaît tous les deux, ce serait dommage de rater ça. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois depuis les années 2000 que toi et moi on est réunis tous les deux en présence d'un fan. C'est, ça se fait ou pas, c'est presque. Je vais pas te dire sur moi, mais bon. En plus, Baku, t'arrives au bon moment puisque c'est là que le jeu en version creepypasta va devenir intéressant. T'arrives à point. Là, il manquerait plus qu'il y ait que Darkly qui vienne. Elle est venue un peu plus tôt tout à l'heure, mais là, je sais pas si elle est de nouveau disponible pour revenir. Ou si elle m'a juste pas vu, je sais pas. Mais si elle revient en même temps, bah, ce serait trop cool. Et si en plus Brian me remarque et qu'il est là aussi, bah alors franchement. De toute façon, j'essaierai de voir si je peux planifier un truc pour la Halloween, ce serait bien. Il faudra qu'on se fasse un truc comme ça de toute façon. Qu'on fasse un stream avec toute l'équipe en même temps. Ça, ce serait vraiment trop bien. Mais
faudra vraiment prévoir ça vraiment à l'avance. Bon bah Paco, c'était gentil d'être passé du coup. Hein. Non, tu peux un stiff, y a pas de problème. La voix de Steve, on la connaît bien grâce à la 34D. Elle a pas trop changé depuis. Ça y est, on arrive au bout. Parti pour le niveau suivant, Pathos. Et non pas, je sais plus quelle planète c'est après Mars. En même temps, entre 20 ans et 40 ans, tu changes pas beaucoup ta voix. Ah bah c'est dommage pour Baku, alors il vient de manquer Lily du coup. Salut Lily. Juste avant il y avait Baku, on se disait justement s'il y a Lily en plus de Stifler, mais ça serait trop bien quoi. Et tu l'as raté d'une minute quoi. Enfin c'est lui qui t'a raté du coup. Bah bienvenue Lily en tout cas. Bon, en tout cas, tout a l'air de bien marcher, hein. Toujours pas perdu de frame là. Bon, en même temps, j'ai mis un jeu qui est un petit peu moins lourd que celui que j'avais testé avant. En J, c'est ça? Ou en G? Je sais pas comment on dit. Ça a bugué. Angie, d'accord. Bah, comme la meuf dans l'attaque des titans, en fait. À peu de choses près. Anne J, d'accord. Anne J. Ouais, donc du coup, c'est plus du tout comme dans l'attaque des titans. Ce jeu-là, normalement, il est sur NES. Mais ce jeu-là, c'est la version creepypasta du jeu, et celle-là, c'est pour PC. C'est pour ça qu'il bug pas mon jeu. Il donne des sacrés coups de patte, sinon. Putain, il tape fort, enfoiré.
buter avant que je le bute. J'ai amené Motra en support parce que... Mais merde, c'est pas lui que je voulais affronter, merde. Putain, mais c'est eux qui vont me buter maintenant. Non mais laisse tomber, je vais crever. Ah non, c'est bon. J'ai récupéré de la vie au dernier moment, j'ai eu de la chance. Oh, ça va mieux. C'est barré, ah c'est pas trop mieux. Putain, mais ils me descendent à une vitesse cela. Mais clairement, de toute façon, l'auteur dans la creepypasta, l'auteur original, le déteste aussi. Donc, je trouve que le développeur a très bien reproduit ça. Titanosaurus qui a disparu. Titanosaurus a disparu. Non. On va éviter les tableaux jaunes, hein, parce que... C'est parfait, ce tableau-là avec Motra, ça va passer nickel.
plus qui tirait comme... Je me rappelais plus qui me tirait dessus comme ça. Que je vous canarde. Voilà, c'est mieux. Pas de barre de vie. Enfin bon, comme ça c'est proche de la creepypasta originale. Je crois que Jade est en train de rentrer du boulot. Petit mec, celui-là j'aime pas ça. Ah, il a de la vie celui-là, je crois. Ceux qui clignotent, ils ont de la vie. Me toucher de là. Comment on est submergé facilement dans le jeu. Mais c'est clair. On voit bien que c'est pas un jeu normal. Et c'est pas le pire des boss encore. Hein. Un bonus qui double le quota d'ennemis à l'écran, comme si y en avait pas assez déjà. Non,
non, je change pas mon nom, c'est juste que Max Le Fou était déjà pris, donc j'avais pris Bud Badger, et que Twitch n'autorise pas à avoir un display name, du coup, enfin autre que exactement le même nom, mais avec des majuscules, donc du coup je suis... Mais la plupart du temps, les gens savent que c'est Max Le Fou qui est sur ce compte. Celui-là est quand même beaucoup plus facile de boss. Il glisse comme un pied. Ouais, donc en gros, tu peux dire Max ou Butt, c'est pareil pour moi. J'arriverai à comprendre. Pas, mais il est sacrément buggé, oui. Il fait bugger tout le jeu, cet enfoiré. Puis ce monstre-là, il était pas dans la creepypasta, c'est un ajout original, celui-là. Celui-là. Le contexte de la creepypasta. Bah, à l'origine, c'est un gars en fait qui était fan de Godzilla et des jeux NES, et un jour un de ses potes a réussi à lui décoter une NES avec quelques jeux, dont un jeu Godzilla comme ça. Et quand il a commencé à y jouer, il a commencé à tomber sur des trucs vraiment bizarres comme on voit quoi. Au début, c'est juste des petits glitchs comme ça, mais dès le troisième niveau, il arrive sur un niveau complètement original avec des monstres originaux. Et il essaie de comprendre ce qui lui arrive. Mais la creepypasta est extrêmement longue. Hein. D'ailleurs, pour l'Halloween de l'année dernière, j'avais fait une lecture de la creepypasta en vidéo et elle a duré 2 heures. C'est dire si elle est longue. Elle est longue et très imagée par contre, du coup c'est ce qui fait que c'est une des plus célèbres creepypasta qu'on connaisse d'ailleurs. Arrête de me foutre des coups de pompe toi. Sur violente. Un boss assez difficile d'ailleurs. Mais violente n'est pas le dernier boss du niveau. Il y a un autre, enfin il y a un vrai boss final à affronter après. Ah, et Petscope, j'ai vu les vidéos, oui. Bah, je crois que le type qui est derrière Petscope, il a jamais mis en ligne le jeu lui-même, donc ça risque d'être difficile. Ouais, peut-être qu'un jour il le fera, mais c'est pas... Petscope, c'est un jeu creepypasta aussi, mais bien qu'il a du gameplay, le jeu en lui-même n'est jamais sorti nulle part, en fait.
C'est Petscope, c'est juste un channel YouTube d'un mec qui fait un let's play sur un jeu qui s'appelle Petscope. Au début, ça a l'air normal, mais au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu devient de plus en plus creepy et le mec parle de moins en moins dans son stream. Bon, il y aura peut-être du fan-made un jour, faut voir. Ou peut-être que ce sera comme pour comme pour la pasta de Godzilla, peut-être que ce sera un fan-made fait en étroite collaboration avec l'auteur, peut-être, faut voir. Ça serait pas mal. J'ai entendu du bruit, je crois que Jade va pas tarder à arriver. C'est vrai qu'il aurait été bien Petscope pour Halloween. Et on y est violente. Moi, Petscope, je sais plus comment je l'ai connu. Je crois que je suis tombé dessus complètement par hasard en cherchant des creepypastas. Je sais plus trop. Mes mouvements, c'est un peu... Malheureusement, ce fan game là, il est assez court et après ce niveau là, malheureusement, c'est terminé. Le mec paraît qu'il est toujours en développement, mais bon, ça fait un moment que le mec n'a pas fait de heads up sur son jeu.
Je suis activement sur Discord pour être sûr de ne rater aucune update. Mais pour l'instant, c'est le camel plat depuis presque un an. J'espère juste qu'il ne l'a pas abandonné, ça serait dommage. Parce que c'est vachement bien parti. Troisième niveau donne vraiment envie d'avoir la suite du jeu. Là, il est violent et vaincu. Avant d'aller au dernier boss, il y en a un que j'aimerais bien voir. C'est celui-là, si je me trompe pas. J'essaie de pas tout rater non plus. Faudrait que je la vois cette analyse, parce que la première fois que j'ai vu Petscope, j'ai pas compris grand chose en fait. Donc si je peux arriver à comprendre un peu plus, ça pourrait être pas mal. Je veux bien, merci. Ah bah revla Titanosaurus. Où qu'il était passé. Il est rapide. Putain, qu'est-ce que ça prend comme vie cette merde. Allez, je l'ai eu. Voilà, bon, c'est parti pour cette partie du jeu que, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas réussi. Il faut juste fuir. Ce monstre m'a toujours foutu la chair de poule. Oh putain, j'ai cru que j'allais me le prendre là. Bon, c'est pas juste, normalement dans le jeu d'origine, enfin dans la creepypasta originale, t'es censé courir que dans une direction. C'est vraiment dégueulasse de faire un truc comme ça. Et encore t'as rien vu. J'essaie de l'éviter, mais si je me fais bouffer... J'ai pigé le truc en fait. Il faut juste que j'attende. Dès que ça glitch, en fait, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête pour pouvoir arriver et aller dans la bonne direction. Et je risque rien normalement. Je te jure, j'ai la sueur sur la manette là. Thank you.
Oh putain. Bon, je reviens et Ajat qui arrive. De streaming sur Twitch et ça marche super bien. Comment ça, ça marche super bien? Bah, je sais pas si c'est Linux ou si c'est la nouvelle box, mais ça marche vraiment bien, je perds aucune frappe. Parce que c'est ton PC ou parce que c'est... Bah, justement, je me le demande, je sais pas si c'est Linux ou si c'est parce que je suis en filaire ou si c'est la nouvelle box, je sais pas. Bah, si c'est aussi à cause du fil, il faudra peut-être que tu essayes sur ton PC fixe pour voir. Bon. Ouais, moi aussi, il me fait beaucoup flipper ce monstre. Ok, on résume. Il était où? Il est là. Donc, j'ai perdu un coup. Il faut pas que j'en perde deux autres. La concentration. Putain, j'ai failli me faire un coup. Oh putain, l'enfoiré! Et voilà, putain, je me suis encore fait piéger. Allez, pousse-toi, Michou. Et voilà, du coup, maintenant Godzilla est mort. J'y arriverai jamais, de toute façon. J'arriverai jamais à passer ce monstre-là. Au moins, je sais pas, mettre une flèche ou quelque chose comme ça. Péter record, hein. Juste avant, j'étais jamais allé aussi loin avant. Putain! Il a recommencé. Oh putain! Vous avez vu ça? Comment on peut l'éviter dans ces conditions? Oh merde, maintenant je vois plus rien. Et voilà, putain, je suis mort. J'étais jamais arrivé jusque-là, quoi. Bon, bah, de toute façon, je vais arrêter le stream. Bon, bah, ça a marché super. J'ai perdu aucune frame dans tout ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du streaming. Bah merci, et puis je vous dis pour la, puis je vous dis à la prochaine fois. Ouais, ça a l'air d'avoir marché, on voit bien le chat et tout.
Bon, bah, on se revoit à la prochaine pour un nouveau stream. Bon, amusez-vous bien tous les deux, je vous revois sur Discord.